www.lesbiennesdeparis.com. Yo, comment tu vas? Reçois porte-parole. Dans cette vidéo, je vais rapidement te faire un tutoriel du beat Moto Moto. On essaie juste de rattraper le grand arrangeur qui est DJ Arafai parce que grâce à lui, on s'en va chercher de nouvelles sonorités pour essayer de le ressembler tout simplement. Voilà, donc sans plus tarder, on va jouer directement chaque instrument. Je vais te montrer comment j'ai déposé chaque instrument de façon simple. Comme ça, tu vas voir comment on monte un beat de façon générale. On met d'abord un kick. Voilà. Après avoir mis le kick, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre peut-être des petites batteries. Voilà. Donc après les batteries, on va mettre des percussions. Voilà. Première percussion. Ensuite, on va mettre d'autres percussions. Donc les percussions, c'est ce qu'on appelle encore des tam-tams. Ensuite, on met une guitare basse assez rapidement. Ensuite, on va ajouter d'autres instruments qui sont comme des Voilà, donc c'est comme lorsque tu démarres la moto, ça fait On va mettre un peu ça. Ensuite, directement, on met un crash. Donc, c'est des tch, tu vois. Directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une guitare rock. Donc une guitare qui fait... C'est un truc comme ça. Donc après la guitare, on va mettre ce qu'on appelle des shamisen, instrument très utilisé dans le coupé décalé. Voilà, donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déposer une guitare rock qui va être comme des accords. Tu vois? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre des roulades là-dessus. Donc, je vais laisser un peu le tout jouer assez rapidement. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo. J'ai fait une deuxième vidéo dans laquelle j'ai expliqué dans les détails, de façon simple, comment tu peux faire le beat en partant de zéro. Que tu sois débutant, que tu sois amateur sur FL Studio. Je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. C'était Paul Favor. Bouyaka.